Il restait là, trempé, apesté, marmonné, pendant que son bateau s'éloignait doucement de lui sur l'Éridan. Je serais prête à donner ma plus belle dague de bronze pour voir cet idiot d'humain tenter de fuir l'Élysée dans une barque. As-tu rendu visite à ma mère? L'as-tu assurée de mon amour?
Oui, comme toujours. Et Déméter t'adresse le sien. Bon, je ferai mieux de repartir. L'Élysée a besoin de moi. Ouvre l'œil, tu veux bien? Il se mijote quelque chose de trouble au paradis. Je commençais à désespérer de te voir. Si tu veux briser le contrôle de Perséphone sur la porte des enfers, il n'y a pas de temps à perdre. Je... Tu t'imaginais que tes liens avec Adonis, le joli garçon de l'Élysée, étaient restés inaperçus? Ah, vraiment? Malheureusement, personne ne franchit la porte des enfers sans l'autorisation de Perséphone. Autorisation qu'elle n'a jamais accordée, jamais. Heureusement pour toi, en tant que déesse des chemins et des clés, les portes verrouillées sont ma spécialité. Tu veux dire que tu peux me faire passer la porte? Je dis que je peux t'aider à contourner Perséphone. D'après ce que j'ai vu, tu es très proche de Perséphone. Pourquoi chercherais-tu à lui nuire? Je ne te demande pas une confiance aveugle. Laisse-moi te prouver que nos intérêts concordent. Ceci ouvre la porte du sanctuaire secret de Perséphone. Elle y conserve ses possessions les plus intimes, à l'abri de son... Marie. Parmi ses trésors, il y a un journal contenant, dit-on, les informations dont tu as besoin au sujet de la porte. Donne-le-moi le plus vite possible. Maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu la porte dont tu parles. Et désormais, tu pourras l'ouvrir. J'irai chercher le journal. Plus vite. Ne perds pas de temps. Apporte-moi le journal qui est au sanctuaire de Perséphone. Tout de suite. Se montrer très vigilant. Voyons si la clé des quatre fonctionne. Ensuite, trouvez ce journal. Des pages à ce journal. J'espère qu'Eka t'en voudra quand même. Je ne vois pas en quoi le vol du journal de Perséphone va m'aider à ouvrir la porte des enfers, mais le voilà. Voler le journal de Perséphone ne peut pas nous aider. Mais voler le journal qui appartenait au serrurier de la porte nous aidera. Qui est-il? Je l'ignore. On dirait que beaucoup de pages ont été arrachées. Maintenant, silence pendant que je lis. Eh bien, ça a été très instructif.
Alors? Qu'as-tu appris? Oh, quelle ardeur! L'emplacement de la porte n'est pas indiqué. Mais tant que Perséphone contrôlera l'Élysée, tu auras besoin de sa permission pour la franchir. Et elle te la refusera. Mais si elle ne contrôle plus l'Élysée... Elle ne contrôlera plus la porte. Tu vas devoir réduire son influence par tous les moyens. Et quels moyens suggères-tu? Ton alliance avec Adonis est un très bon début. Sa tactique directe est un peu simpliste à mes yeux, mais avec le temps, il aura raison des forces de Perséphone. Et notre alliance? Quel est ton rôle exactement? Je connais toutes les faiblesses de Perséphone, et je te les indiquerai le moment venu. D'ici là, je te conseille de passer du temps avec Hermès, le chien de compagnie de Perséphone. Apprends à te servir de ce bâton. Chez les dieux, tu auras besoin d'une arme divine. Très bon usage de cette hache. Thank you.
Je ne t'avais pas très bien vu là-bas. Maintenant, je comprends pourquoi mes gardes ont eu tant de mal. Ma foi, ils n'étaient pas très commodes. Cela a dû être une surprise pour une mortelle comme toi. Tu dois vraiment sortir de l'ordinaire. Merci, Majesté. Un simple Perséphone suffit dans mon royaume. La solennité est assommante. C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ainsi, l'Élysée t'appartient. Après cet accueil assez mouvementé, je ne peux te reprocher de l'ignorer. Alors excuse-moi, Rose peut en attester. En général, c'est lui qui se charge de mordre. Lui aussi aimerait que tu me pardonnes. Dis-moi ton nom. Recommençons. Et du bon pied cette fois. Sans rancune. Je m'appelle Cassandra. Alors je te souhaite officiellement la bienvenue, Cassandra. Je vais t'indiquer les coutumes de ce lieu. Cet endroit m'appartient. Je connais chaque fleur, chaque visage. Moi seule les laisse entrer. Mais il y a une chose que je rejette. Et cette chose, c'est moi. Non. Il y a dans l'Élysée une bête qui appartient à Hadès. S'il apprend que son épouse a volé l'une de ses montures immortelles, ce sera une catastrophe. Mais je ne l'ai pas volée. Je n'approche pas de ce qu'on m'apporte ici bas. Non. Quelqu'un veut me nuire. Et il faut que ce cheval s'en aille. Hadès? J'imagine qu'entre vous, ce n'est pas le grand amour. Il a bien essayé de me séduire. Mais que peut-il espérer obtenir d'une captive? De l'amour? On ne voit ça que dans les légendes. Tu penses qu'on veut te jouer un mauvais tour? Je pense qu'il est peu probable que cette chose soit arrivée d'elle-même. Je te rappelle que l'Élysée est mon paradis, pas celui des autres. Je vais tâcher de retrouver ce cheval. À quoi ressemble-t-il? Tu le sauras en le voyant, crois-moi. Il n'est pas seulement immortel. Il est terrifiant. Je n'ai pas peur des chevaux. Quelqu'un l'a vu récemment? J'ai entendu des cris venant de l'arboretum d'Asphodel. Peut-être fait-il peur aux gens? Conduis-le à mon valet d'écurie, le cavalier d'Artémision. Il saura comment le renvoyer au galop vers le cauchemar d'où il est venu. Demande ce qui leur prend. Je dois me montrer prudent par ici. Thank you.
N'approche pas. Laissez-nous tranquilles. Vous faites tous peur à mon cheval. C'est une créature si douce. Tu l'as regardé, ton cheval? Les gens s'enfuient en hurlant devant lui. Comment veux-tu qu'un aveugle voie ce qu'il a devant lui? Bien sûr que je ne l'ai pas vu. Pardonne-moi. Les temps sont durs. Et je crains de ne pas arranger les choses. Il faut que je te prenne ce cheval. Pas question! Perséphone m'a déjà privé de la vue, et tu voudrais me prendre Orphie? Nous sommes de bons amis, lui et moi. J'ai entendu le hennissement d'un cheval. J'ai approché, sans peur, et il m'a léché la main. Tu dis que Perséphone t'a aveuglé? Elle a ordonné à l'un de ses soldats divins de me brûler. J'avais dit à d'autres ce que je pensais de son paradis, et c'est arrivé à ses oreilles. Elle a dit que je n'étais pas digne des beautés qu'elle a créées. Il n'est pas à sa place dans l'Élysée. Comme nous tous! Ce royaume se prétend parfait, mais n'est que tromperie. Aie pitié. Laisse-moi le garder. Tu ne le savais pas, mais c'est le cheval d'Hadès. Il doit lui revenir. Peu importe. Je suis prêt à risquer le courroux d'Hadès pour lui. Sache-le. Je n'oublierai pas ton geste. Que j'amène ce cheval à Adonis ou au Valet de Troie. Que choisir? C'est un cheval un peu spécial. Il appartient à Hadès et il faut le lui renvoyer. Perséphone m'a dit que tu pourrais t'en charger. C'est parce que Perséphone sait que je peux monter n'importe quel cheval. Je vais m'en occuper. Morose, halt! Une bonne nouvelle, j'espère. Je sais que cette bête doit manquer à Hadès. Je l'ai trouvée, et je l'ai conduit à ton valet d'écurie, comme convenu. Tu n'imagines pas les ennuis que tu m'as évités. Je te dois un service. Te revoilà. Ça fait toujours plaisir de voir un visage ami. Gardienne, tu as fini par trouver mon atelier. Il n'a rien d'un palais, bien sûr, mais j'y suis chez moi. Je te l'ai dit. Tu peux m'appeler Cassandra. En présence du bâton? Non. Mais je suis content de te voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette contrée. Puisque tu le proposes, j'ai besoin d'aide pour me repérer. Ah, laisse-toi un peu de temps. Les champs dorés se dévoilent lentement. Mais je peux bien t'aider. Viens avec moi. Tu as peut-être raison. J'ai besoin de m'éclaircir les idées. Où allons-nous? Je me considère comme un maître des clés.
L'une d'entre elles pourrait t'intéresser. Que fais-tu dans ton atelier? J'invente. La réalité cache tous ses secrets derrière tes portes. Les inventions sont des clés qui ouvrent, Seigneur. Tu révèles les secrets qu'elle renseigne. Ah, tu es aussi sage que Pythagore. Mais pourquoi discuter de ce que nous pouvons? Regarde tout là-haut. Le premier fort de Perséphone. Si tu l'avais vu du temps de sa splendeur. L'essentiel de l'Élysée est en ruine, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit est splendide, comme toutes les créations de Perséphone. Mais ce monde évolue selon ses envies. Ces ruines sont là pour nous montrer qu'elle a plus que jamais besoin de nous. Regarde. Songe à tous les héros qui ont traversé ces champs dorés et ont baigné dans la gloire de la paix éternelle, pensant tous qu'ils n'avaient rien vu de plus beau jusqu'à ce qu'ils posent les yeux sur Perséphone. Allez! Regarde là-bas, gardienne. Ce campement est l'endroit où Héphaïstos a bâti une maison pour Aphrodite. Il n'en reste pas grand-chose. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'Aphrodite rencontre cet Adonis. Il n'a pas son pareil pour semer le chaos d'une œillade et d'un sourire. Bien, cette grotte mène à une clé que j'ai fabriquée pour le bâton. Que cela soit notre secret. Le maître des clés est la gardienne du bâton, liée par des mystères. Thank you.
Ça ne bouge pas. Quelque chose bloque.
ce qui m'est arrivé là-dedans. Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi ou de chacun de nous se trouvent des parchemins enroulés comme un ruban. Sur ces parchemins est écrite ton histoire, qui tu as été et qui tu seras. Comprends-tu ce que je dis ? Alors ce ruban entortillé définit chacun de nous. Et ce qui s'est passé là a modifié ce qui me définit. Voilà, c'est ça. Avec ces clés, il est possible de déverrouiller les secrets qui sont en toi et d'en prendre le contrôle. J'en ai fabriqué beaucoup. Merci. Je n'ai pas l'habitude de faire ça toute seule. Sur l'Adrestia, j'avais Barnabas pour guide. Ah. Eh bien, j'espère ne pas le voir ici de sitôt. Je vais te laisser à tes aventures. Repasse me voir à mon atelier lorsque tu le souhaiteras. Kéré, Hermès.